Et on se retrouve pour un nouvel épisode avec 47 sur Blood Money. Et c'est parti. At least you saved the secretary. Yes, and we found and killed one of Mr. 47's accomplices. He wasn't alone? No. They communicated by radio. What bothered us was the autopsy of the second assassin. He was a Class 2 clone. Class 2? Fully functioning human clones, accelerated to adulthood. But they tend to die within 18 months of maturity. Tell me, just how widespread is human cloning? We can't know for sure, but I'm sure we'll see thousands within a few years. Why? Because of your jackalope president! He wants it legalized! Imagine that. The most insidious weapon the world has ever seen, and he wants to legalize it! But the public... The public is an ass! Cloning is the ultimate weapon of mass destruction. It's a terrorist wet dream. But most Americans still support cloning, and... Hopefully, this interview will change a few minds. Maybe it'd help if they knew it was 47 that killed Chad Bingham's son. What? We even had our best agent on the spot. We were ready. Good to hear your voice again, 47. We got worried when you didn't get back to us. It was just a little thing requiring my attention. We've got an extremely delicate mission for you, if you're interested. Mm-hmm. Always interested. Just send me the briefing. Bonjour, 47. Votre prochaine mission a lieu dans les Rocheuses. Le sénateur Bingham est victime d'un chantage. Le roi du porno, Lorne de Havilland, détient une vidéo compromettante du fils du sénateur, Chad. Sur cette vidéo, Chad se montre beaucoup trop entreprenant avec une danseuse. C'était à l'occasion d'un show sexuel dans l'une des boîtes de nuit pour adultes de Havilland. La fille n'a pas survécu à leur rencontre. Le sénateur Bingham est engagé dans une campagne de réélection très serrée. La vidéo pourrait lui coûter son siège, comme une autre incartade de son fils. Notre client veut que Havilland et Chad soient éliminés. Il veut aussi récupérer la vidéo. Le client s'est assuré que Chad assistera à la fête annuelle que le roi du porno organise dans sa propriété à la montagne. Nous avons un portrait récent de Chad, mais Havilland n'aime pas les téléobjectifs et notre photo la plus récente remonte à 10 ans. Ce ne sera pas facile, 47. La propriété n'est pas extrêmement bien protégée, mais la sécurité sera importante dans le complexe. Ok, on choisit nos armes. Un petit Sever Ball. Pas de besoin de sniper, on va faire ça proprement cette fois. Et on y va. Et on se retrouve pour la petite Michou du Playboy. Comme vous l'avez compris, on va rentrer dans cette petite soirée, mais tranquillement, vous voyez. Et sans invitation. Normalement, on passe, voilà. Fais attention à une caméra. Pour ceux qui font cette mission, ne passez pas trop devant les gardes. Passez vraiment devant eux. Il y a une caméra qui peut vous filmer, du coup, peut-être vous faire baisser votre rang. Si vous voulez avoir quasiment un rang parfait. Voilà, petit conseil que je vous donne. En tout cas, nous on va avancer, on va rentrer dans la soirée. Bonsoir monsieur, je n'ai pas envie de t'entendre parler. Là on va avancer, normalement on doit demander au barman un petit aphrodisiaque. C'est pas très utile, mais ça vous donnera nous... la pêche dont vous avez besoin pour prendre du bon temps dans la grotte. Si vous voyez ce que je veux dire. En fait, l'aphrodisiaque va nous permettre d'empoisonner la boisson du fils du gouverneur. Et donc de l'envoyer dans une chambre et donc de le buter tout simplement. Voilà, il est dans un jacuzzi pendant quasiment 75% du temps du jeu. Et donc c'est un moyen de le mettre dans un endroit quasiment invisible, on va dire. Toi, je vais t'endormir, voilà. J'ai pas besoin de... De plus, juste ton costume, mec. Voilà, on va pas tuer les. On va pas tuer un pauvre alcoolique qui n'a rien fait. En plus, on voit bien sur sa tête qu'il est. Il est pas très heureux. Alors, ensuite, on va ouvrir le couvercle, on se débarrasse du corps, tout simplement. Voilà. Et là, on va pouvoir rentrer dans la soirée. On est considéré comme VIP, les amis. Voilà. Donc là on va pouvoir passer tranquillement.
Et 47 en Père Noël est très très crédible. Hein. Et là, du coup, faut essayer de trouver un costume de garde pour aller dans le studio. Il faut vraiment ce costume de garde si tu veux passer crème. Je suis le genre d'homme qui obtient tout. Si tu veux passer crème dans le studio, sinon tu ne lances pas passer. Donc là, on va passer par là. On va vers les chambres. Donc c'est une soirée Playboy, hein. C'est normal qu'il y a plein de petits culs. Et du coup, on va attendre que les deux arrêtent de s'embrasser. Ah bah, nous vous inviter, la petite dame. Tiens, putain, elle a un petit tatouage sur les fesses. Cette, vous allez vous rendre compte que c'est pas celle qu'on croit. Les hommes sont... Voilà, vous allez me dire pourquoi je la tape. Tout simplement, c'est une cible, vous pouvez le voir marqué. C'est une personne qui a été... voilà, qui a été payé pour nous tuer. Tout simplement. Voilà. C'est parfait. En lui, on va traîner son corps. On va le jeter par-dessus la balustrade. Là, on a le costume, c'est parfait. Maintenant, on peut aller dans le studio. Et on fera une petite sauvegarde là-bas. Alors, normalement, là, je suis pas méconnaissable. En plus, cette fois, il a mis les lunettes de soleil. Attention, hein. Voilà, on passe nickel. Donc, notre cible là, on va la tuer. Calmement, tu vois. On passe dans le studio. Et dès qu'elle est toute seule, on peut la buter. Donc sinon elle est pas forcément simple, faut juste trouver les bons endroits, pas tuer tout le monde, provoquer des accidents pour maximiser son scoring. C'est vrai qu'en expert c'est un peu plus difficile, il y a plus de gardes, il y a plus de difficultés. Et on pourra s'échapper aussi en héliport, donc ça c'est sympa. Mais donc du coup faudra laisser son costume, ça c'est un peu moins chiant, plus chiant. Un poil plus chiant. Alors, moi je vais passer par là monsieur. Et là normalement on filme deux petites sauvegardes. Donc, petit chargement, petite sauvegarde, et du coup, on va tuer le Playboy et récupérer la vidéo qui est dans la salle de contrôle juste à côté. Normalement, hop, on va se mettre là. Oh, et son petit chien et tout. Hop, la cible est morte. Voilà. Pas d'alerte donnée, une cible en moins. On va récupérer la cassette. Ok, ça c'est bon, j'ai récupéré la cassette, les gars. On va se casser, on va tuer l'autre maintenant. On va rez-de-chaussée, me semble. Ouais. Rez-de-chaussée, c'est cool. Voilà, tranquillement. On va mettre d'aphrodisiaque dans son verre, du coup. Et on va finir cette mission tranquillement et bien réussi, quoi. Ok. Donc là, faut que tu me ramènes son verre, là. Et on va faire ça de suite. On va attendre qu'il arrive le serveur là. Il va pas tarder. Il arrive. Il arrive et on va pouvoir récupérer tout ça. On lui met, il va lui servir un verre. Nous, on met l'aphrodisiaque dedans, tranquillement. Il va prendre l'aphrodisiaque. Il va le saper la meuf dans son lit. Hein. Et voilà. C'est pas considéré comme un poison, ça c'est cool. Ok. Moi, je vais monter par là.
On va reprendre de l'aphrodisiaque. Je sais pas si on peut le garder pour les prochaines missions, ça pourrait être cool. Ok. Nickel. Je fouille un peu en attendant. Je fouille un peu. Ok, rien de spécial. On peut prendre des saucisses, ça c'est cool. On va prendre un couteau aussi, tiens. Voilà. On va voir, est-ce qu'on peut faire de la cuisine, tiens. Saucisses. Ah ouais, c'était pour le petit toutou. Lol. Louli lol. Ok. Ouais, ça va chercher, va chercher le verre. Et nous, on peut déjà commencer à se poser à côté. On va empêcher. Ok, le serveur il arrive. Ça fait un moment que je pense à me trouver une propriété. Ok. Ah, faut que je la bloque, le serveur n'est pas encore arrivé. Voilà, il a pris. Hop, prends ton verre, comme ça, ça va le faire direct. Mais oui. Est-ce que ça a marché là? Ouh, d'accord, ok, ce mec il bat les femmes. Super classe. Mais en tout cas, c'est sympa comme soirée Playboy. Hein. Putain, ils ont mis les moyens. Hein. Ok. Oh, allez. La prochaine, c'est la bonne. Par contre, quand elle est codée, ouais, on peut pas vraiment la bloquer, hein, ça c'est chiant. Allez, meuf, reviens, il t'a pardonné, allez. Ok, bon, en tout cas, allez me placer déjà, en attendant. On va aller se placer direct. Allez, hop, on va aller par là. C'est vrai qu'il y a que des blondes, j'ai pas vu beaucoup de brunes. Si, j'ai vu du Renoir, mais. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? Ok. Ils vont pas tarder à arriver dans tous les cas. On peut récupérer son flingue, ouais. Ça peut être utile. En tout cas, moi je préfère ça. Comme tuer l'autre quand même. Je trouve ça un peu dégueulasse. Ok, qu'elle arrive, la cible arrive. On va attendre qu'il arrive. Du coup, on va se permettre de faire une petite sauvegarde juste là. Voilà. Ok. Et on va l'attendre. Ok, ils arrivent. On va pouvoir se les faire. On va le faire. Pas la mauvaise, mais on va la faire tranquillement, tu vois. Ok, il rentre à l'intérieur. Et dès qu'il rentre à l'intérieur, j'ouvre la porte. Normalement, il devrait sortir. Sauf que toi.
Ok, meuf, sors, pourras-tu me casser les couilles? Il va me tuer! Ta gueule. La cible est partie. Là, on va le jeter par-dessus le balcon. Ok. On descend, il y a un balcon par en bas. On va le suivre et on va le pousser. Tout simplement. Bon, c'est un peu long, mais c'est il va me tuer! Ta gueule. Personne te tuera. Je veux juste que tu ailles faire un plongeon et prouver à mes amis que c'est possible de sauter d'ici, tu vois. Voilà. Maintenant. Salut! Ok, on se casse. On va reprendre notre costume et on se casse. Ok. On va reprendre notre costume de Papa Noël. Et c'est parti. Ok. Moi je suis crédible au Papa Noël quand même. Hein. Ouais, j'ai pas de carte VIP, désolé madame. Ok, là je vais chercher mon petit costume. Ok, hop, on récupère mon costume qui est juste là. Voilà. Et on se casse. Je me casse, t'inquiète pas. Je me casse, y'a pas de soucis, mec. Au revoir, monsieur. Allez, dépêche l'ascenseur. Allez. Jeter. Allez, hop. Et on peut se casser enfin de cette mission. Excusez-moi messieurs. Voilà, la caméra nous a pas remarqué. C'est cool. Quitter la propriété, ok c'est parti. On se casse. Et voilà, mission accomplie les amis. On est un professionnel. Nickel. Ça c'est cool. On va corrompre civil. On va corrompre la police. La police pense qu'il s'agit d'un tueur à gages. La police a confirmé ce matin que le plus jeune des fils de Chad est le fondateur du magazine Popcorn. Lord Davina était retrouvé sans vie hier soir à un nord de Havilland. Quoi ? Les enquêteurs indiquent qu'une seringue médicale a été utilisée, probablement l'injection de poison. Une victime a trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses. Les enquêteurs tentent actuellement de déterminer si la cause de cette mort était naturelle ou intentionnelle. Il n'y a aucun témoin de ce crime, mais l'analyse des preuves indique qu'il pourrait être lié à un meurtre similaire qui s'est déroulé à la vallée de Kolchaka. En comparant les rares descriptions des témoins, on aperçut les... Ouais. D'accord. Rien de très très descriptif de ce que j'ai fait. Sauvegarde du profil et l'épisode est terminé les amis. Bisous. On se retrouve au prochain épisode.